Bien gros courir dans la République, dans le moment même dans le palais là. Gouvernement Ariel Henry en départi à pack en pack. Pardonnez-moi pour nouvelle ça, je pas décidé de faire une fâche. Gouvernement ça a départi à pack en pack. Mais Ariel Henry saisi. Il n'y a pas de pensée, c'est comme ça la communauté internationale là, t'as pral craser col. Mesdames, messieurs, il y a plus passé 4 personnages importants dans le gouvernement ça. Malheureusement, pral obligé de faire voile pour payer ce chapeau sur le plan d'Acadie de façon fictive. Mes frères et sœurs amis, pral cite 4 noms pour vous là. Il y a 2 noms qui ont fait révoquer Kounia là. Pardonnez-moi. Excusez-moi, je n'ai pas décidé de la gagner une information comme ça. Mais. Le monde dans vie de coton vagabond, c'est normal, ou pas qu'à prendre tant que monde sérieux, tant que monde de bien. Mesdames, mademoiselles et messieurs, bonsoir. Bonjour, bonsoir à tout le monde là. Comment nous est-ce que nous kembe? Est-ce que tout le monde en forme? Non pas Sénégal fait causer. Quel que soit cette information yé, mal cherché le moins poté le baou. Dans tisile là en bas dans la coupe au prince, bagaille va finir en forme non parce que Ariel Henry, dans le moment même n'a parlé à la, c'est TV20 qui a boué, c'est soupe blanche qui a préparé, c'est compresse qui sous tête, garanti ou, mouché a pas même caché ta droite. Youn en bois à droite, monsieur Sagayen, à savoir le ministre de la Justice, monsieur Berthe Dorcé, qui pratiquement en tête, ministère de la Justice, ça gagne un an quelques mois. L'Amérique et le Canada mandé pour révoquer M. ça. Et je dis à la même, c'est le moment côté M. pour remettre démission. Pardonnez M. démission, déjà commencé à remettre. M. tape calé ouest, ouvert col, fait vaille que vaille. À savoir, Jacques Guy Lafontaine, c'est G. Port-au-Prince. M. te fait comprendre, il pratiquement qu'a taillé mandat. Je le souhaite, je le voulais. Malheureusement. Dans le moment même, n'a parlé à la tour, Berthe Dorcé, révoqué petit voyou ça, m'a bon quelques informations qui malheureusement capable de déranger. Mais pardonnez-moi parce que je ne peux pas mentir à vous. Mesdames, mademoiselles et messieurs, monsieur ça, dans le moment même, n'a parlé à la gien pile souffrance. 4 noms que vous connaissez dans le gouvernement Ariel Henry, c'est 4 noms extrêmement importants. À savoir, mesdames, messieurs, le ministre de l'Intérieur, Litz Kittel, citoyen ça, l'istil, gien problème, et révocation, monsieur, déjà fait des mandats, international l'a mandé, puis révoquer, monsieur, d'une manière très simple, puisque pas de chance pour ne pas venir dans la coupe pays d'Haïti pour baisser tête yo problème. Malheureusement, on a pile de détails. Donc pour montrer nous qui ça bagalaye, oui, il a révoqué M. Litz Kittel, même Jean Sotroué tout à l'heure, comment un pile monde a posé cette question, qui ça qui a passé dans le pays là, qui démarche qui lui est faite, comment bagalaye doit changer, qui forme bagalaye doit connaître, qui arrangement lui est fait. C'est gros zingue dans la République. Mais André Michel fâché Koukong, Mouché a pas décidé en quelque sorte pour le remettre pouvoir. Puisque à travers différents amis que nous gagnons, bagaille a vin compliqué, et même mes frères et sœurs dans pile détail. Maître André Michel fait partie dans la liste qui figurait, monsieur figuré, mesdames, messieurs, dans la liste qui sortit, hein, côté que c'est nèg qui pas capable d'aller aux États-Unis d'Amérique. Qui s'est passé? André Michel font tweet. Mais qui ça me fait connaître? Une fois député, deux fois sénateur, ancien questeur de la Chambre du Sénat, agronome de profession, Rika Pierre est un homme honnête qui n'a même pas encore achevé la construction de sa résidence familiale. Faut arrêter cette manipulation. Ne mélangeons pas serviette au torchon. Mes frères et sœurs amis, André Michel, fâché, monsieur fait qu'on est. Malheureusement, oui, malheureusement, lui-même avec Maître Michel, il n'y a pas rien à croire à ce qui a passé à là dans la coupe Port-au-Prince et qui t'a mis nom de M. Rika comme nèg qui t'a dans affaire de drogue, t'a dans affaire d'âme, dans pas de problème dans le pays. Eh bien, les États-Unis d'Amérique
mandé pour yo sanctionner monsieur Sayo, pour yo révoquer monsieur Sayo, pour yo mettre à terre. N'a rappelons encore c'est Litz Kittel. Après Kittel, gagné mesdames messieurs le ministre de la justice Alberto Rossi, gagné Rica Pierre ministre de planification et finalement gagné maître André Michel. Et pratiquement d'expliquer nous les États-Unis dit nous ça depuis très tôt après le gain pour couper visa également monsieur Obay pour Jacques Guy Lafontaine. Et bien Berto Dossé pendant après-midi en la baie vague. Et bien mes frères et sœurs, lit déjà révoqué monsieur Guy Lafontaine qui était ce commissaire gouvernement de Port-au-Prince qui t'a taillé mandat t'a pour école qui t'a montré que lui-même n'est capable de faire ça capable sale pito. Il t'a montré que c'est lui-même qui ceci, c'est lui-même qui cela, mesdames, messieurs. Moi, t'ai parlé nous selon M. Caleb, mais ça le dit. Moi, t'ai parlé nous. Moi, t'ai dit nous, ancien commissaire pour ton prince, Jacques Guy Lafontaine, pas bon monde. Moi, j'aime Haïti, moi, j'aime pays. Moi, j'aime pays avec une bonne justice sans force côté. Depuis un monde, ça qui pas droite, m'a dénoncé où? Moi, pas non toléré, corrompu, vagabond en Haïti. Il y a plusieurs personnalités qui déjà parlé et selon eux-mêmes, ils ont applaudi cette décision prise par mes frères et sœurs Ramy, cette décision prise par ce gouvernement de facto. Mais malheureusement, donc M. Berto Dossé tout, c'est fait partie même vagabond. Opération Sagaler et opération vagabond qui a démasqué vagabond, mesdames, messieurs. Qui s'allait la dit, meni, mal libou nous. Mesdames, messieurs, mal prend le soin pour me lire lettre de révocation citoyen pour nous. Côté au voyez, monsieur, non, coin. Qui s'allait dit, maître Jacques Lafontaine, commissaire du gouvernement, près le tribunal de première instance de Port-au-Prince, monsieur le commissaire du gouvernement, le premier ministre, docteur Ariel Henry, m'a transmis une nouvelle plainte portée contre vous. Ce nouveau dossier s'ajoute à la longue liste de celles dénonçant vos actes de corruption, de malversation et d'abus d'autorité. Je vous informe en conséquence qu'il a été décidé de vous mettre en disponibilité pour faute administrative grave en vertu de l'article 188 alinéa 4 du décret du 4-17 mai 2005 portant sur la fonction publique. Cette mesure est effective à la date de la présente agréée, monsieur le commissaire du gouvernement. Mes salutations distinguées. Signé par Berto Dossé, le ministre de la Justice. Malheureusement, à un moment même, n'a pas allé à la qui obligé laisser pays, laisser un pouvoir tout. Par rapport à la situation, il commence à compliquer dans le pays. Donc, mesdames, messieurs, complication dans le pays d'Haïti. Complication, il mélange. Haïti pour faire face à une situation très difficile. Donc, nous avons des choses pour nous faire. Nous avons une pile de marches que nous sommes capables de faire pour retirer le pays dans sa pile. Pour nous voir donc, comment nous gérer le pays. Donc, mettez un autre format. Monsieur, situation est compliquée, difficile, mesdames, mademoiselles et messieurs. Donc, Berto Dossé, monsieur Sayo, Jacques Guy Lafontaine, également André Michel Cap, défendre Cap Pierre, tout fait partie de nèg qui logiquement, ta nèg qui t'a doué, touché par sanction Occident, qui en général pas avlé by chance avec monsieur, qui l'a qui croyait dans vagabondage, dans fait l'obéille. Donc, les compliqués. Mesdames, messieurs, c'est comme ça bagalaye, bagala mélangé dans le pays d'Haïti. D'abord, en pile détail, n'a pas expliqué où qui ça cap passé, mais ça qui est sûr, nous pas gagné trop de chance pour nous parler, pour nous faire des analyses, même Jacques Le Confel, puisque monsieur Ontijan souffert des ordres jusqu'à présent, mais nous-mêmes n'a pas continué bataille. On a continué à faire mouvement pour nous voir qui ça est capable de faire pour résoudre le problème ça. Donc,
Haïti tout un pays spécial, on tite et relax. Dans la région métropolitaine Port-au-Prince, qui je aujourd'hui a tourné une véritable poubelle. Qui donc, si le ministère de l'Éducation nationale échoué pendant deux fois déjà face avec réouverture l'école là, d'arrêté pour qu'on ait qui responsabilité ministère de travaux publics, environnement, SNGRS dans tout ça. Jean-Georges Blaise, Caraïbe FM. Merci en pile Jean-Georges Blaise, li fait 8h31 toujours sur Caraïbe FM. On va suivre Journal Créole, première occasion, Grand Boulevard. On va passer avec l'autre dossier rapide dans le journal là, puisque nous dans la dernière ligne droite là. Faut que nous disions, nous pourrons le recevoir là, et sans transition aucune. Famille Bélis Claude, yo est kidnappé depuis dimanche 30 octobre 2022. Bonjour, présentez-vous, dites au qu'il y a rien avec victime. Bonjour, moi salue tout le monde qui a entendu, moi salue tout le monde dans les Caraïbes là. Salut tout le monde, moi c'est madame Claude Bélis, moi c'est Chantal Joseph. Claude Bélis qui est kidnappé le dimanche 30 octobre à 11h, il sorti dans une machine rouge Grand Vitara 2012, il prend avec toute machine là depuis dimanche. Moi pas attendel, depuis l'heure de fin prendre là, il relève, une crelé me fait entendre voix, après ça me pas jamais entendre lui encore. Je pas jamais faire parler ensemble avec, je dis à fait 10 jours depuis me pas jamais entendre. Il relève. Les Aurélie me demandé $50,000 américains. C'est dans factory m'a travaille. Moi pas gain moyen. Moi pas gain rien en même, mais c'est dans factory l'a travaille. Pas gain rien en même, m'a demandé tant prix pour faire me grâce là, tant prix. Libérez le pour moi, s'il vous plaît. Pour cap coûter mieux. S'il vous plaît, faites me grâce là, libérez le pour moi. Tant prix parce que dans factory m'a travaille, pas gain moyen. M'pa gain crop ça y'a demandé non. S'il vous plaît, m'a demandé pour libérer Claude Bélis pour moi. S'il vous plaît. Bon, vous êtes kidnappé. Bon, c'est une machine la chauffer sous Delma dans 40A, la chauffer machine là et puis tu relis me dit me prendre. La chauffer. Ah, oui, c'est la stat machine là. OK, Bélis Claude, c'est Mario qui l'a dit gagne. Il a 43 ans. 43 ans, il a kidnappé le dimanche 30 octobre 2022 depuis pratiquement 10 jours là. Pour pas attendre voir le bandit, on a $50,000 américains. Oui. Donc, madame Bélis Claude dit, monsieur Kikembe Marilio, il n'a pas un goût de l'esco. Donc, tant pis, t'as dévoilé. Libérez Maril, s'il vous plaît. Mm-hmm. Ok, madame. Oui. D'accord. D'accord. Il y a un Kazakh qui sort dans 571 section communale paysan, principalement. Kazakh dans sud-est paysan par voie Kazakh Dani mardi qui a dirigé 11e section la montagne avec César Johan qui a dirigé 6e section communale la montagne la voûte département sud-est. Je profite saluer tout le monde à la ronde Badey peuple haïtien spécialement qui a traversé un moment difficile. Kazakh yo di yo entamé yon levé campé sans prend souffle pour capable mettre opinion nationale et internationale là au courant malgré toute gagote l'agent qui gagne dans ministère intérieur sous l'ordre directeur Amos Zéphirin. Kazakh yo gagne 23 mois sans toucher. Kazakh yo gagne 3 l'année yo pas ca payer bureau yo. En plus de ça, premier ministre Ariel Henry fait tout Kazakh rentrer dans marron après yon faux promesse yon million goud li te fait public pour section yo depuis date ça vous avez la nation première adresse la nation. Donc tu jusqu'à présent et milieu goût ça pour capable joindre Kazakh yo. Donc tout le monde attend hein pour faire un bagage dans section yo en pile en plus ouais c'était un foulaille hein PM Ariel Henry tabay tout 3671 section yo. Donc pour ajouter à ça à Amos Zéphirin avec tout acolyte lio avec complicité Fenaka qui gagne en tête li président à Paul André et en tout cas fait route cochi à l'agent collectivité yo à travers une série organisation bidon nous dit nous-mêmes qui c'est représentant peuple là nous a continué dénoncer tout mauvais traitement ça yo tout autant conditions yo pas changé dans gain pour nous parler dans journal nous qui a venir en après avec Kazakh mardi Dani. Bon nous courir dans ville provinciaux nous parler d'abord Tigouave avec Anel Joseph puisque nous on chargé mon de là.
Mais nous allons Tigouave avec Anel Joseph. Anel, bonjour. Bonjour Guerrier, bonjour Pierre-Noël, bonjour Lily, bonjour Johnny Ferdinand. Nous saluons Préférence FM, Exactus FM qui lit les journaux dans Tigouave et puis dans Gogouave, dans Radio Téléclave, et même qui lit les journaux, il y a une nouvelle station qui rentre dans Guinan. La Fontenelle, il y a une activité criminelle mobile qui est baptisée Santé Lamoula, qui démarre dans la commune de Gogouave le lundi 7 novembre 2021. C'est une initiative, un groupe diaspora à travers l'organisation Rockland, 40 a été relief clinique qui a décidé d'investir 250 000 dollars américains pour acheter clinique mobilité pour 4 villes dans la région. Nous estimons qu'il y a souffert pour problèmes de santé, c'est le monsieur Renaud Julien qui s'est fait déjà organisation. Il a démarré l'activité au Nagangouave avant de rentrer dans l'autre ville qui s'est Tigouave, le Rougane, Grissier. Côté population pour être capable de bénéficier d'une semaine de consultation avec médicaments gratis qu'on avait fait ça car on nécessité. Monde qui vient suivi médical fait dans l'hôpital référence qui est dans la commune côté clinique qui a bail service, c'est le docteur Rousse Gerbi Jean-Jules qui déclare majorité de monde recevoir, c'est si la yo capsule avec maladie, gratelle, pour tension artérielle, infection douleur avec problème d'estomac. Coordonnatrice ce programme-là, Miss Alain Joël, bon côté parle, déclaré, il était doué pour tes services longtemps dans la population, malgré le reconnaître de marie activité clinique dans une situation difficile. Équipe a été mobilisée pour le travail parce que la population bien accueillie, service clinique, Rockland, 40 a été relief, et il a attendu longtemps pour servir ça, constat, c'est le ministre. Et selon Miss Alice Noël qui a lancé, il a pensé pendant le programme pour profiter pour tes petits morceaux soins par les mesdames prisonnières qui partent à Métigouave encore. Beaucoup de là, il y a eu grand goût avant une série de manifestations qui a fait en désincité pour ce sous-le-plan. Bénéficiaires, beaucoup de parents montrent satisfaits en pile par le remercier PDG Renaud Julien avec l'équipe LAN pour l'initiative LAN. Et aussi, c'était clinique au plan 40 à été relief, continuer par le service dans la région parce que nous pauvres dans la santé. La fait connaître comme perspective difficile à travailler sur un projet santé pour policiers dans le commissariat région avec employés mairieux selon M. Renaud Julien. Qui montre volonté avec détermination gain pour capable aider les gens qui ont nécessité à des appuyants. Nous avons appelé le travail ça a déroulé dans cette collée avec l'autorité locale sous supervision du responsable qui est Jean-Jules et puis monsieur qui montre administrateur organisation en ville d'Haïti et puis Miss Alice Noël et puis coordonnatrice projet dans Oakland County Haïti Relief Clinique. Responsable fait connaître avec quel contenu de marie clinique ça a encore pour gagner le service. Malgré le projet qui a lancé dans le commencement de mai 2022 dans ville d'Haïti. Précisément la commune d'Angouave en présence d'autorités locales avec société civile et puis malheureusement il y a des difficultés pour démarrer après la situation payante. Mais problème manger en presque résoudre dans la prison civile de Tigouave avec mobilisation citoyenne. En plus le secteur senti touché des problèmes grands qui ont saccagé les prisonniers. Et donc nous pour décoller grâce avec des marches, directeur de l'hôpital Notre-Dame, docteur Fred Jasmin. Et donc il y a un commissaire policier, Jean-Garry Ville, commissaire gouvernement Maître Paul Perrello. Dans ce temps, organisation, concentration pour réduction inégalité sociale CRIS, et baillement en dans prison. Donc, selon M. Élisée Saint-Sec, qui représente l'organisation CRIS dans la région, intervention sur cette proposition de l'éthique nous a gagné qui est dans une situation difficile à des espaces carcéral là. Malgré ces éducations qui s'échappent à l'action, c'est pas difficile pour conscience, pas à reprocher après une nouvelle qui a stimulé, côté plusieurs prisonniers montrent goût. Après problème manger, à côté là, espace côté prison et logis, retenons notre gros problème parce que trop détenus empilés dans les cellules spam, des sous des pieds obligés de coucher qui souvent la cause, donc ils ont enfermé et par ça ils ont campé. Donc ils disaient c'est ce qu'on est. Chris, donc après l'autre intervention, justement pour capable faciliter le local, ça inauguré. Et il dit qu'il pourrait voir comment il est capable d'accompagner le président Meltibon et support ancien député Christia Unaluska et Louis Joseph. Diaspora Léogane, Gary Douard, Pasteur Fadel Bisson Nagrité, ancien député de Léogane, Jean-Anthony Simon et puis le sénateur Patrick Simon. Donc, il dit qu'il y a un travail pour aider plusieurs de la situation. On prise tout pour manger, une action humanitaire pour les vidéos, pour le cadre d'image comme le gouvernement, qui va manger, mais pour faire des prisons, des tirs. Près de Grégory, qui est plus passé 10 ans et demi, pour que c'est sous conseil de papa libre dans la prison, il ne peut pas parler dans Léogane, il a souhaité au vin justement pour capable de rester dans la situation difficile, puisque papa par exemple parle. Entre temps, la propagande est prisonnier de la Guadeloupe, même qui a demandé si pour l'autorité du département NIP, parce que l'autorité ça a lagé, et par exemple, on connaît si on existe, et il n'y a pas pour manger par eux, et famille des nécessités pour vivre, des difficultés pour vivre, des nécessités qu'on a là, pour capable de porter manger pour prisonnier de la Guadeloupe qui permet de Guadeloupe, mais qui est dans une situation difficile. Mais là, plutôt que l'hôtesse confirmée qui a continué dans la juridiction de Guadeloupe, environ 40 minutes étant libérés. Donc, grâce à la disponibilité et conseiller tribunal et puis employé par terre.
audience est obligée de faire aller dans nos local commissariat parce que c'est coup de la préparation à fait n'a pas été pris par le déroulement manifestation anti-Ariel. Joseph Anel Tigouave, Caraïbes FM. Nous avons quitté Tigouave pour nous jambé dans le sud pays. Et là, nous pourrons joindre Georges Valens qui est correspondant permanent dans la ville Okaï. Bonjour Valens. Bonjour, Johnny Ferdinand, nous sommes Guerrier, Lydie, Pierre Hénel, ainsi que tout le monde qui a attendu sur différentes stations radio dans le sud du pays, en tant que radio Télé La Brise, dans le radio Les Bois FM, Okaï, radio Méridien au niveau des côtes sud pays, radio Boule, radio Télé Simon International. Dans la troisième ville pays, en fait, nous dit, mouvement qui était annoncé pour des reprendre, pas arrivé, fait, j'en s'était annoncé, mais quand même, quelques monde qui étaient dans la rue, dans le mouvement, ça, ils ont demandé l'État pour permettre un gaz dans Pompio, ça a facilité le prix pour du descendre et puis permettre que Timon est capable de reprendre la chaîne à l'école face à la situation actuelle. Organisateurs ont estimé aucune condition pas réunie pour pouvoir envoyer Timon à l'école. Dans le moment, ça, à cause de moyens, ils n'ont pas gagné. Comme ça, ils croient que la situation doit changer pour les mêmes parents qui viennent Timon pour envoyer l'école dans le pays. Malgré qu'il y a une rumeur qui était fait croire hier, l'école là, après avoir recommencé l'ouvrir pour lui, et bien, pas de lien pour vivre local, un lien. En termes préparatifs, pas te montrer ça, aucun signe de côté l'école du tout, pour être capable d'accueillir l'œuvre. C'est pour l'école à privé, c'était un feu total. Côté l'école l'État, même pas gagné un absolument comme tentative qui montre qu'il est capable d'accueillir l'œuvre. Bientôt, la couille pas en état, même espace infrastructure qui n'est pas bon déjà, qui donc c'est au même qui l'a, tant qu'au tableau, banc, bureau, etc. C'est une histoire. Pour ça, fait préparatif, pour ça qu'il qu'on a bail cantine, pas gagné ça du tout qui existait en pile par an. 18 ans pour l'école relouvrie, mais avec un galon gaz 3000 gouttes qui vont dans la ville locale, la difficile pour rejoindre l'argent chaque jour et pour ça qui gagne un propre moyen par eux. Payer 500 gouttes de taxi chaque jour, pipiti, paraît quasi impossible pour eux-mêmes. Comme ça, ils ont même tout estimé, ils n'ont pas de moyens pour voir Timon à l'école, malgré volonté, ils ont gagné. Ils ont demandé l'État ici pour capable aider. Au syndicat, sans enseignants eux-mêmes, ils n'ont pas pour rentrer l'école, tout autant l'État pas payé. Et puis pas dit qu'il garantit dans le cas de plus bonnes conditions de travail, il a demandé depuis longtemps avant de reprendre le pèlerinage bâton crayon. C'était enseignant, demandé l'État pour faire gaz disponible, descendre prix pour faciliter yo aller enseigner tout partout, pour aller faire cours dans le département sud-là. Mais par contre, le professeur Sayo précisé, il n'est pas capable de joindre 1000 gouttes par jour pour faire monter des sommes dans une série commune pour aller travailler. Il a souhaité l'éducation nationale penser tout sur Soyo pour dire à Grèce à bien pour yo comme amélioration avant l'école même qu'a ouvert. Et quand état physique là, rien, tout partout, c'était fatras ou fatras tout de l'eau, avec Rio qui crasait net dans la troisième ville payant. Toutefois, sous initiative homme d'affaires, on a au cas, il y a campagne pour ramasser fatras des mairie avec un TPT, ces deux instances qui commencent son déchet depuis quelques temps, montré qu'il n'y a pas existé dans la troisième ville pays. Toutefois, avec un communiqué, il n'y a pas marché ou mandé mon AGP. Merci Georges Valens, correspondant depuis Villocay. Nous prenons direction sud-est. Nous prenons le jeune Elie Lorveus qui prend le nous toute dernière information dans le département. Bonjour Elie, comment ça y est? Bonjour Madame Lydie, Alexandre, bonjour Johnny, Pierre Renel, bonjour Guerrier. Dans la commune Bellance, d'abord dans la commune Lavallée, Jacques Mel, il y a Peterson Kangé qui vient de jouer Chabat qui mourit pendant le week-end dans l'hôpital Saint-Joseph, dans Ri Doré. Peterson Kangé qui était en diarrhée avec vomissement d'après famille. Cependant, responsable sanitaire dans l'hôpital Saint-Joseph, Ri Doré, qui estimait que c'est la maladie choléra qui touillait victime là, emballé cadavre là et puis fouillé en tout, enterré. Famille Peterson Kangé qui dit qu'il n'y a pas aucune preuve scientifique qui montrait que c'est choléra qui touillait Peterson Kangé parce qu'il n'y a pas de test qui était fait à Soukoua. Exiger autorité sanitaire dans l'hôpital Saint-Joseph pour remettre cadavre là et pour capable de faire enterrement jeune garçon parce qu'il n'y a pas de aucun signe qui t'a montré c'est choléra qui touille et puis annoncé il y a porté plainte contre responsable sanitaire dans l'hôpital Saint-Joseph dans la commune Lavallée-Jacmel. Dans la commune de Lens, il y a des gens qui mourent le lundi 7 novembre 2021 dans la 4e section Koa et la Motte. Victime ont souffert avec vomissement et diarrhée, d'après le magistrat Antenor Denoual, qui a attiré l'attention aux autorités sanitaires et l'organisation humanitaire sur la commune de Lens, et spécialement dans la section Mabriol et Bédouange, côté une épidémie de diarrhée et vomissement
a saccagé mon population depuis plusieurs semaines. Président association magistrat Sidesio qui dit arrondissement Belan stap konnen difficulté nan niveau sanitaire dit inquiété parce que situation vient plus compliquée. Toutefois quoi santé publique doit intervenir pour déterminer est-ce que c'est épidémie choléra qui envahit commune Belan parce que yon dizaine monde déjà mouri en dans commune Belan avec vomissement et puis diarrhée toujours d'après Denoual Antenor qui c'est magistrat commune Belan. Il y a quelques politiciens qui commencent à tomber en bas Mezisayo. Mezisayo a touché plus de monde toujours et il n'a pas prêté là. Nations Unies a bien pu remettre rapport à l'autorité après enquête menée sous terrain. Enquête ça a fait sous base collecte d'informations et puis dans tête collée avec acte local. Résolution 2653, c'est un premier pas, d'après Mme Lalim, dans la lutte pour aider les pays à aller en souffle. Plusieurs chefs gang déjà sous liste là. Mais pour Kounia, c'est nos chefs Genève là qui ciblé. Responsable Binuyo expliqué, c'est parce que dernière action chef gang ça a été paralysé pays et puis plongé dans une crise humanitaire à cause gaz bloqué qui a des conséquences sur toute activité importante en cours l'hôpital, l'école, commerce et la trier, sans oublier circulation qui paralysée. Après l'autre nom qui a venu après, même gens pour politiciens. Yo. Yuri Latorti avec Joseph Lambert, c'est deux officiels qui pour Kounia pas qu'à voyager dans le pays États-Unis. C'est vraie nouvelle ça, la cause groupe allait en pile dans le monde politique là, pour représenter les Nations Unies, mais il ça a aidé à changer de comportement et puis font-y poser sous ça ou reproché. Donc, d'après ça, nous comprenons, mais il y a des limites. C'est une pression à gauche à braquio, si toutefois il y a une mauvaise affaire, tant que Baïzam a tiré messieurs pour tuer la population ou bien vendre drogue. Si mais il y a des limites, malgré personnage ça a impliqué tout bon vrai, n'a demandé qui efficacité décision ça a à long terme. Quant à Nega Xamio, résolution 2653 a gagné plus de chance pour ne pas arriver à toucher moitié de yo. L'en connaît, en pile de yo pas gagné un compte en banque ni posséder un passeport pour arriver sous frontière. Comme résolution 2653 prévoit pour gagner bon genre contrôle dans le port et sous frontière, yo, au moins nous avons espéré trafic Xamlan qui a fond baissé. Jose Varin, Caraïbe FM. Dans tout studio nous yon dans Wishavan Port-au-Prince li fait 8 heures, c'est moment pour nous monter drapeau à. Garde à vous tout le monde.
Première occasion, c'est premier journal pays. Première occasion, c'est qu'on est comment pays d'Haïti à Grèce Mondelan réveillé pour matin. Et voilà, nous retournons après, nous finissons monter drapeau et drapeau. Matin, nous t'es monté dans Cité Soleil. Cité Soleil, côté plus passé, 70 organisations dans divers secteurs dans la vie nationale là. Yo, sien, parmi yo, secteur protestant, sien, yon PAC pour la paix, mais juste avant. Et n'a vini avec information ça qui gen pour ak insécurité bandi ak bal touye ayè nan Roulamar nan Pétionville policier agent Simo Macnel du Verso lycée Moun Tobek nan sud pays d'Haïti li té affecté nan sécurité rapproché responsable sécurité et public là. Et j'en ai annoncé tout à l'heure, à plus passé 70 organisations, organisations SAIO soutiennent divers secteurs dans la vie nationale. Là, parmi eux, secteur protestant, organisation SAIO signent un pacte pour la paix, document ça, arrivé si après plusieurs mois, chita parlé entre protagonistes, d'après responsable organisation religieuse qui portait nom Vision pour Haïti avec le monde, pasteur Maxo Joseph, dans le document ça. Acteur prévoit pour discuter à tout secteur dans la vie nationale, cour internationale là d'après Benoît Gustave, responsable organisation initiative citoyenne pour changer Cité Soleil. Benoît Gustave fait connaître une trêve 30 jours qui prévoit pour permettre la vie retourner dans le pays et puis pour faciliter Timounio rivé reprend chemin l'école. Reportage Réginal Rémy. C'est après plus passé 4 chita palé sur une période 2 mois plus passé 70 organisations dans société civile ak religie rivé sien document si là c'est dans pi gros bidonville pays a côté nèg exam ap troqué konyo initiative ça prend naissance. Benoît Gustave responsable initiative citoyenne pour changement Cité Soleil fait connait au prêt pour al discuter avec tout secteur et souhaiter implication toute force vive pays a dans cadre implémentation document si là. Comité la paix a disposé disponible pour chita à tout monde communauté nationale cour internationale dans cadre changement et reconstruction commune Cité Soleil. Nous mandé l'état haïtien l'état pays nous à communauté internationale amis partenaires nous pour yo prendre conscience supporter accord pour la paix noir qui c'est un pivot pour développement durable avec un projet société pour Cité Soleil. Cité Soleil paraît pour la paix pas disparaître. D'après ça le fait qu'on ait accord ça prévoit une trêve pour une période 3 mois. Une période pour la vie qu'à reprendre dans le pays qui bloqué depuis plusieurs mois. Grève de 30 jours qu'a fait dans Cité Soleil. Pour zam pas jamais chanté. Pour terminal varia ouvert porte li tout bon vrai pour gaz la capable distribuer dans l'hôpital yo, dans centre commercial yo, dans banque yo. Parce que je dis à nos bons pays qui sont complètement bloqués. Gaz là sont produits de transversal. Les pagaies dans le pays, tout bagay paralysé. Pendant que nous avons demandé à Fren Action qui a observé à la lettre avec nous tous partenaires qui signent un accord pour la paix ça. Pour toute l'école ouverte porte. Parce que l'éducation, c'est lui-même qui lève l'homme dans la dimension lettre. Responsable organisation religieuse qui porte non vision pour Haïti avec le monde là, pasteur Maxo Joseph, souhaitait un pilote. Zone côté nèg exam c'est celle qu'on chanter pour inspirer de démasse ça pour éviter débarrasser pays à en bas machine insécurité. Son bel geste nous prend note et n'attend effectivement pour que frère nous yo accès nous yo qui dans zone ça yo bénéficier fruit la paix que ensemble nous garder comment nous ta ouais et ça fait dans toute l'autre zone yo et yo ta ka prendre modèle Cité Soleil là pour toute l'autre zone yo parce que nous croit que Cité Soleil voyez signal là non montrer que yo prêt yo faire la paix entre yo. Pays à compter trop cadavre. Fok la paix tourne, Benoît Gustave fait appel à qui yon dépassement. Pito c'est réconciliation ak pardon qui une nation au lieu nous continuer à compter cadavres. Nous prêts pour accompagner tout le monde qui voulait marcher dans le processus la paix. Dialogue là a continué jusqu'à ce que Libanon la paix durable dans toute espérance. Ça fait plusieurs années depuis pays en bas domination nèg exam. En pile sans couler, massacre en série, sous massacre en série, Haïti toujours attend une révolte générale. En tout cas, qui ça pas pour la paix ça a servi si pas gagne une prise de conscience qui prend au matin nèg exam cap défier l'ordre autorité dans pays a Reginald Rémy Caraïbes FM.
Merci à Pile Régional de Rémi tout à l'heure. Adler Ferris, vous entendez? Ok. Journaliste Robest Dimanche, accompagné avec avocat Li Mette Isaïe Bellevue, avec plusieurs autres journalistes déposés et une plainte dans le paquet Port-au-Prince lundi, contre Jean Hudmo qui était arrêté et puis maltraité le dimanche 30 octobre passé. Motif plainte ça, c'est tentative assassinat, commencement exécution.